Salut mes amis de troisième année de l'enseignement primaire. Alors, d'ailleurs, le trésor des mots au dernier moment, la conjugaison radicale et terminaison du verbe, la page 17. Alors, radicale et terminaison du verbe. Alors, le verbe est un mot qui change de forme selon le temps de conjugaison et selon la personne. Donc, le verbe huwa wahed l'kalima li ktbeddel ala hsab le temps, ala hsab zaman li msarfa fih ou ala hsab la personne. Le verbe est composé de deux parties. Idem, le verbe qui comprend les deux parties, le juge l'ajza. Le radical, il porte le son et la terminaison, elle change selon le temps et la personne. Idem, qui comprend les deux parties. Le radical, il ktbqa هي ما كتبدلش et la terminaison اللي كتبدل على حساب le temps et la personne. Par exemple, tu chantes. Regarde. Tu chantes, le radical chante, la terminaison es. Nous chantons. Le radical chante pratique هي ولكن la terminaison تبدلات على حساب pronom personnel. Tu, deuxième personne du singulier. Nous, première personne du pluriel. D'accord? Alors, premier exercice. Entoure les verbes dans les phrases et souligne leur terminaison. Neuf had les phrases. غادي ندورو على لو فيرب وغنسطرو على لا تيرمينيزون. لو بوس سارات devant l'école. Alors سارات هو لو فيرب لا تيرمينيزون e. Ce soir papa restera au travail. Restera c'est le verbe. Aura la terminaison. Les poussins suivent maman poule. Suivent le verbe. ENT la terminaison. Nous écrivons dans des lettres à nos amis. Nous écrivons des lettres à nos amis. Alors, écrivons, c'est le verbe ONS, la terminaison. Le bébé pleure car elle a faim. Pleure, le verbe E, la terminaison. Vous passerez chez moi vers 8 heures. Alors, passerait le verbe ERZ, la terminaison. Alors, il a la tournée. Les terminaisons que tu veux dire selon les pronoms personnels. Par exemple, ici, troisième personne du singulier. Ce soir, papa, troisième personne du singulier, aura. Troisième personne du pluriel, ENT. Première personne du pluriel, ONS. Troisième personne du singulier, E. Deuxième personne du pluriel, EZ. Complète avec un verbe qui convient et souligne son radical. إذن هنا هاد لي فراز غنكملوهم بواحد لو فيرب وغنسطرو على لو راديكال
يعني لا بارتي اللي ما كتبدلش كتبقى هي هي. La tu la porte. Alors tu fermes la porte. Ferme, c'est le radical. Et c'est la terminaison. Et elle joue à la marelle dans la cour. Alors joue, le radical ENT, la terminaison. Nous avons un match de foot contre l'équipe du quartier. Alors nous avons AV radical ONS, c'est la terminaison. Je mange du pain au beurre. Alors mange, le radical E, la terminaison. Il bavarde sous le préau. Alors bavarde, le radical ENT, c'est la terminaison. On passe maintenant au troisième exercice. Trouve les verbes dans les phrases suivantes. Souligne le radical et entoure la terminaison. إذن هنا غادي نشوفو فين هو لو فيرب في هاد لي فراز. نسطرو على لو راديكال وندورو على لي تيرمينيزون. لو ماتان لي زيليف سو ديريج فير ليكول. alors سو ديريج سي لو راديكال E N T لو لا تيرمينيزون. vous apprenez vos leçons de langue. Apprennent, le radical, Z, la terminaison. Nous jouons au bi ensemble. Joue, le radical, ONS, la terminaison. Samir et Choukri nagent dans la rivière. Nage, le radical, ENT, c'est la terminaison. Tu sautes à la corde. Saute, le radical, ES, la terminaison. Et se repose après le travail. Se repose, le radical, ENT, la terminaison. Nous pensons à la fête scolaire. Pense, le radical ONS, la terminaison. On passe la dernière exercice. Écris trois phrases où tu soulignes le radical du verbe et tu entoures sa terminaison. Dernière, je vous fais la tête le jumel. Chaque verbe instaure le radical, on doit la terminaison. Nous, vous, il. Alors, nous cherchons l'adresse de notre ami. Alors, cherche le radical, ONS, la terminaison. Vous jouez à la marelle. Joue, le radical, Z, la terminaison. Il accompagne les enfants à l'école. Accompagne, le radical, ENT, c'est la terminaison. Et voilà mes amis, j'espère que vous avez compris ce cours. Ou bien sûr, il y a juste comme le canal, j'aime et abonnez et partage. Merci beaucoup.